sur les réseaux sociaux, c'est des produits que ah, j'ai bien. réellement testés. C'est des produits que j'aime, parce que sinon, j'en parlerai pas en réalité. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe. Mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Et une petite dernière question, on va voir si tu es aussi fort sur celle-ci. De quoi on vit quand on a fini Miss France? D'amour et d'eau fraîche. Ça ne passera pas. De vacances dans les Caraïbes et un peu de ski. Non, concrètement, des réseaux sociaux pour l'instant, tu fais de l'influence, de j'imagine. Quoi on vit, en réalité. T'es sous contrat toujours avec Talent Lab, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai l'agence qui me représente et qui est là aussi pour contrôler et voir les marques avec lesquelles je travaille, parce qu'on ne peut pas travailler avec des marques qui ne me ressemblent pas, en tous les cas, et avec des marques qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. S'il y a des produits que je mets en avant sur les réseaux sociaux, c'est des produits que j'ai réellement testés. C'est des produits que j'aime, parce que sinon, j'en parlerai pas, en réalité. Ou des produits qui me facilitent la vie, genre le petit robot qui passe tout seul. C'est la première personne que j'ai vue ce matin, je me suis dit, ah, cool. Parce qu'il y a une ancienne marque de chicha, du coup. C'est vrai, ouais, mais c'est pas trop le délire pour le moment. Merde. Bon, Mais ça peut être en soirée, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. C'était une blague, hein, je te rassure, on a d'autres projets. Quand tu veux. Ok, très bien. Okay. Et ouais, non, après, donc t'as ça. Et puis après, ce qu'on disait tout à l'heure, en réalité, c'est préparer ce qui va se passer après. Mm-hmm. Et comme c'est des projets qui sont pas complètement établis, eh bien, je le dirai peut-être dans 2-3 mois quand je reviendrai vous voir. Pour l'instant, t'es rentrée vivre à Caen, c'est ça? Ouais, je suis rentrée à Caen. Tu revis chez tes parents? Exactement. Non, pas du tout. D'accord. J'ai mon appartement à moi que j'avais avant, que j'ai vendu, que je vais acheter une petite maison avec un petit terrain. Donc tu restes à Caen pour l'instant? Et je reste à Caen, ouais. Ok. Je reste à Caen parce que c'est là d'où je viens et c'est là où je me sens le mieux. Après, je reviens sur une semaine, je reviens au moins 3 à 4 jours à Paris pour faire des interviews, pour faire des essais. T'as aussi forcément pour aller voir l'agence. On a pas mal de rendez-vous avec Carole qui est mon attachée de presse. On a tout ce qui est rendez-vous en présentiel, que ce soit... Mais même en fait pour garder quand même Un rythme. Oui, le lien avec Paris, bien sûr. Ouais, exactement. Et puis après, préparer des... Mais il y a même des tournages pour des émissions télé qui vont passer là dans les semaines à venir. Donc ça, il faut venir sur Paris et en fait, après, ouais, tous les projets qui sont pour le moment en essai et qui prennent beaucoup de temps. On a hâte de voir ça. Ouais.